Si vous avez acheté les drones mais vous ne savez pas comment l'utiliser, ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous, puisque je vais vous expliquer et vous guider pas à pas à savoir comment utiliser votre drone. Donc, une fois que vous avez reçu le manette comme ceci, vous allez d'abord prendre les choses à faire, vous allez ouvrir. Et voilà. Voilà. Là, à l'intérieur, ce qu'on voit. Voilà, voilà le drone. Ça, c'est le drone 8000. On va d'abord ouvrir les ailes. Là. Ok. Voilà. Là, d'abord, c'est le drone. Et voilà. Télécommande et toujours à l'intérieur de ces boîtes il y a l'aile de sécurité, l'aile de sécurité plus les cordons pour charger la batterie du drone et aussi une batterie, la deuxième batterie de secours car on ne sait jamais, vous pouvez aussi l'utiliser. Par exemple, vous êtes en train de faire un voyage pour faire la vidéo, donc vous allez programmer un voyage et là, ça peut vous aider, oui, puisque ça fait 60 minutes fois 2. Et il y a une seule chose qui est très importante, c'est les notices d'utilisation. Voilà. Les notices d'utilisation, c'est ces papiers-là qui expliquent comment l'utiliser. Et c'est très très important, les gars. Là, je vois beaucoup de gens négligent, mais tant que si vous négligez ces papiers, sur certains appareils, vraiment, ça va vous déranger, donc ça va vous causer beaucoup de problèmes. C'est que okay. Là. Maintenant, pour utiliser les drones, première des choses à faire, c'est d'abord, c'est d'allumer le drone. Ça, il y a deux caméras. Il y a la caméra avant et la caméra qui est en bas ici. Et voilà, c'est en bas ici que se trouve la batterie. Et vous pouvez retirer la batterie. Vous pouvez aussi remettre la batterie. Donc, pour allumer, vous allez maintenir l'appui ici longtemps. Directement, vous allez voir la lumière bleue ici et la lumière blanche de ces côtés-là. Donc, maintenant, là, je n'ai pas une personne qui va me tenir la caméra, sinon je vais filmer dans l'entier. Là. Donc, voilà, ça, c'est la manette. Les contrôles, là c'est pas à quoi c'est ces deux antennes là, c'est pas trop. Et vous allez aussi allumer les contrôles, c'est-à-dire allumer ce téléguide. Donc une fois c'est connecté, la lumière qui est en train de clignoter ici va s'arrêter automatiquement. Vous avez vu, la lumière s'est arrêtée automatiquement et ça montre que le drone est bien connecté. Ok. Là, c'est les contrôles. Là, vous pouvez contrôler pour décoller. Voilà. Je peux stopper d'abord. Ok, j'ai éteint. C'est comme ça. Pour allumer les drones, donc ça dépend en fonction des drones que vous utilisez. Sur certains drones, pour allumer, il faut pousser les deux boutons comme ça, le drone va s'allumer. Mais sur le mien, c'est seulement ces boutons-là, c'est pour allumer. Une fois que le drone est allumé, vous allez pousser les boutons vers ces boutons comme ça, voilà. Pour éteindre. Ok, maintenant, pour utiliser ou bien pour avoir le contrôle de ce drone, vous avez téléchargé l'application. Donc, tout est mentionné sur le notice d'utilisation. Ici, quand vous retournez, on vous dit ici, download and install a mobile app on teach. Ici, on vous demande de chercher, il précise le nom de l'application, soit sur App Store ou sur Google Play Store. Puis, vous allez soit scanner le code QRQ ici. Soit vous pouvez simplement vous connecter aussi le nom du drone s'affiche.
Et vous avez ici les détails qui vous expliquent les fonctionnalités de chaque élément. Voilà, là dit sur l'application, chaque élément, voilà, ce que ça veut dire, ce que donc vous allez lire l'utilisation et vous saurez comment piloter et le drone. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo spéciale pour vous montrer comment piloter le drone. Ici, on voit, je vais ouvrir l'arrière. Il y a quatre ailes de sécurité qui pourront vous aider dans les cas où si il y a plusieurs ailes de sécurité que vous pouvez utiliser. Si jamais l'aile se casse, vous pouvez remplacer. Et là, je ne sais pas c'est quoi ce truc. Je ne sais pas. Il y a un tournevis là pour défiler. Défis, en fait, c'est ça. Donc voilà, en fait, les gars. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et de partager. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.